Le Premier ministre du Luxembourg, Xavier Bettel, a épousé ce vendredi 15 mai Gauthier Destenet, son compagnon depuis 7 ans. À la sortie de la mairie, Xavier Bettel, ému aux larmes, a déclaré qu'il souhaitait à chacun d'être aussi heureux que lui avant d'adresser un merci aux Luxembourgeois face aux badauds rassemblés sur la place Guillaume II. Je souhaite à chacun d'être aussi heureux que je suis. Merci aux Luxembourgeois. Merci. Parmi les invités, on a pu apercevoir Stéphane Bern, ou encore le Premier ministre belge venu par amitié, Charles Michel. Je suis là d'abord par amitié et je suis extrêmement heureux, je souhaite du bonheur. Et puis c'est un collègue, mais c'est aussi un ami qui se marie aujourd'hui. Le mariage entre deux personnes de même sexe est possible au Grand-Duché depuis début 2015. Si le couple a opté pour la discrétion, l'événement est rapporté par de nombreux médias internationaux et touche de près les habitants. Du bonheur, voilà. Et puis on espère que ça sera bien accepté au Luxembourg. C'est pas forcément le cas partout, donc... Alors, on leur souhaite beaucoup de bonheur. Ah, beaucoup de bonheur. Ça, j'espère vraiment, c'est ce qu'on peut souhaiter le mieux dans un mariage, c'est que ça tienne bien et qu'ils aient beaucoup de bonheur, bien évidemment. Xavier Bettel est en effet le premier dirigeant de l'Union européenne, uni par les liens d'un mariage homosexuel. La fête se prolongera pendant tout le week-end, dans l'intimité, avec la famille et les proches amis du couple.